captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Thank you.
suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Je ne pensais pas que ça aurait été à ce point le cas hier soir. Mon Dieu, nous avons recommencé maintes et maintes fois. Et puis, fatigué dents. Abandon, abandon, mais bon, ce soir, on a rechargé les piles. On a rechargé les piles. Bonsoir, Nick Taras. Hein, merci pour ce compliment au niveau du générique. On a rechargé les piles et ce soir, bah, évidemment, on va terminer. On va terminer. Ce qu'il faut, c'est que... faut y aller tout doux. Drapeau blanc hier soir, finalement. Oui, un petit drapeau blanc hier. Mais en fait, j'ai fait une erreur fatale. C'est que j'ai streamé plus d'une heure et demie. Et puis d'une heure 45. Et après, c'est la loose. Après, c'est la loose. Mais bon, là, on va y aller tout doux. On va y aller tout doux. Ça va être une formalité. Allez. Déjà, on va se prendre un petit carreau gentiment. Moi, mon idée, j'ai crafté, là, je suis revenu un petit peu en arrière sur mes pas, j'ai crafté un harpon explosif. Faut pas que je fasse le con. Putain, mais... Bon, est-ce que les deux sont morts? Non. Mais, je fais déjà une erreur, c'est terrible. Allez, monte ta petite tête. Bon, normalement, de ce côté-là, c'est bon, hein. On va essayer de la jouer bien, quoi. Putain. J'ai quand même pas le pot. On est d'accord. Oui, jouons la fine. J'ai quand même pas le pot. Je me suis quand même écarté vachement de la grenade, là, non? Je crois que le chien t'a même pas dit bonsoir, Nick Taras. Alors. J'ai quand même pas le pot, là. Ah, je suis obligé de relooter. Ah, c'est dégueulasse. Regardez, on va la tuer là, elle. Parce que j'ai réussi à... en fait, en revenant un petit peu sur mes pas, j'ai réussi à relooter une explosive. Alors, je suis obligé de le refaire. Moi, je voulais pas vous l'infliger. Mais alors, du coup, on est quand même obligé. Alors, je sais plus exactement où. J'ai eu quelques... J'ai de la ferraille, voilà. J'ai eu de la ferraille. Ça m'a permis de refabriquer un harpon explosif. Alors du coup, je l'ai plus, là. Et comme c'est au petit bonheur la chance, un petit peu ce qu'on loot, ça se trouve, je ne peux plus le refaire. Ça serait quand même drôlement intéressant. Ah non, peut-être que il était là. Là, il y avait déjà un harpon que je pouvais récupérer. En fait, quand je joue seul, et que je joue dans les conditions... optimal en fait, hein. De jouer seul, bon, ça passe tout seul, les passages. Mais dès que je stream, évidemment, hier soir, avec le stress, la fatigue, j'en pouvais plus, quoi. Il est comment Evil Within 2? Bah, il est très décevant. Il est que... y a pas toute tout ce travail artistique. Le scénario est vraiment merdique, hein. Y a pas d'autre mot, hein. C'est nul. C'est un nanar, quoi. C'est un nanar, c'est... Ce n'est pas des japonais qui l'ont conçu. Ah ben voilà. Et voilà, on va pouvoir la faire. C'est pas des japonais, pour te répondre, qui l'ont fait. Donc du coup, on se retrouve avec un truc un peu américain. Au niveau du gameplay, qui est mieux que le premier, parce que il est plus agréable à jouer. Mais sinon... Non, c'est un jeu très décevant. Moi, je l'avais revendu aussitôt. Et là... je l'ai fait entièrement sur ma chaîne, hein, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Et puis là, il y a quelques mois, je l'ai retrouvé à 12€, donc n'en attendant plus grand chose, je l'ai pris. Bon, cette fois, je me fais pas avoir. Voilà, là, il a tiré. On va essayer d'avoir les deux. Bon, normalement, il est mort là. Bon, je me suis pas fait avoir avec l'autre. Est-ce qu'il est mort? J'ai pas envie de faire de conneries, hein. Putain, il est pas mort. Aucun des deux n'est mort. Putain, j'ai tiré à côté, mais j'ai vraiment pas le pot, hein. Je joue mal, en fait. Voilà, c'est pas que j'ai pas le pot. C'est que je joue mal. Allez, cours. C'est que je joue mal. Allez, on va se prendre... Normalement, il me reste quand même quelques balles. Là, normalement, il me reste quand même quelques balles. Non, il m'en reste pas du tout.
Il me reste plus rien, quoi. Là, je suis tout nu, là. On va courir. On va prendre ça. Putain, il m'enfile deux. C'est drôlement sympa. Attendez, je fais gaffe à ces grenades. Voilà, là, on a un petit peu de munitions. On est obligé de jouer comme ça, hein. C'est décevant, mais... Ah oui, mais c'est du snipe. Allez, 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 allez. On a un des deux, là. C'est bon, normalement. Et lui, il est mort? Oh, mais il est mort, de toute façon, il y a sa grenade qui a explosé. Bon, on n'a plus rien, là. Allez, on essaye de faire bien. Je pense que le manque de munitions dans un jeu plus stressant... Dans un jeu plus stressant, plus basé sur l'atmosphère, ça aurait fait son petit effet. Mais oui, voilà. Il fallait qu'ils choisissent leur camp. C'est un jeu d'action ou c'est un jeu à la... vers la fin, hein. C'est un jeu d'action ou c'est un jeu de... un survival horror. Là, dans un jeu de tir avec des vagues d'ennemis, bah, c'est frustrant et ça te fout dans la merde, en fait. Bah oui, puis le fait d'avoir joué en live et en streaming, bah, du coup, j'ai moins bien joué. Donc du coup, je me retrouve à court de munitions à la fin du jeu, quoi. C'est aussi ma faute. Hein. C'est aussi ma faute. On va se prendre ça, hein. En espérant que ça l'effectue. Bon, il me repend une balle en général, hein. Non mais je préfère y aller tout doux, j'ai pas envie de recommencer mille fois. Je veux pas lui tirer dans le casque. Parce que je sais que... Je sais que bah, ça ne l'effectue pas. Putain, mais il y a des balles qui se perdent. On voit ses pieds, à travers. Mais c'est aussi le niveau de difficulté qui baisse le nombre de munitions dans le loot. Je ne sais pas. Bon, là, il est mort. Hein. J'ai plus qu'une balle. Ouais, c'est bon. Eh bah, putain. Vous voyez comme quoi, en passant une petite journée... Alors, je regarde quand même vite fait s'il n'y a pas autre chose à looter, parce que là, vraiment, il me reste une balle. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, non, le... je suis au niveau de difficulté normal, mais ce qui m'intrigue... Enfin, je suis en mode survie, je sais pas si... Enfin, je crois que c'est difficulté normale, mais ce qui m'intrigue... J'avance pas parce que j'ai peur que ça envoie la cinématique. Ce qui m'intrigue, c'est... Mais c'est que c'est plus difficile que ma première run. Alors, est-ce que c'est moi qui ai vieilli? J'ai plus les réflexes? Ah, putain, un soin. Un soin, mon dieu. Non, je pense que c'est le fait de streamer. Parce que quand je joue seul, j'ai pas... Je meurs, évidemment. Mais bon, pas à ce point, quoi. Vous voyez? C'est le stress. Là, par exemple, ce soir, je ne le suis plus stressé. J'ai dormi. Je suis pas mort en boucle. Donc forcément, bah voilà, ça paye. Puis je prends mon temps. Salut The Losers Band. Eh, le chien, tu dis bonsoir peut-être, hein? Faut tout te dire. Bon, on a réussi à passer le petit passage, évidemment, c'est ce que je disais, avec une petite nuit de sommeil. On est plus d'attaque. Oui, c'est le paumé qui me fout la flip. En plus, il joue drôlement bien de la guitare. En tant qu'ancien musicien, ils ont sorti 3 disques. Excusez-moi. Excusez-moi du peu. J'ai trouvé qu'il avait un bon son. Tu devrais aller voir sa chaîne sur YouTube. J'ai retrouvé son vrai patronyme, ça c'est mes anciens réflexes de la police. J'ai retrouvé qui c'était, moi, le paumé. J'ai son identité complète. Il joue du métal en plus, alors ça devrait nous plaire. Eh ouais, c'était moi, c'est pas mal, hein, j'ai été voir. Alors j'espère que c'est lui, hein. Ça se trouve, je suis en train de dire ça, je me suis trompé de... C'est pas lui. Mais je crois que c'est lui, si, si. Je sais pas. Je suis quand même un ancien de la police. C'est de quoi je cause. Caresse au chien, c'est gentil. Bah, il va te confirmer ou t'infirmer. Il a mis 5-6 vidéos de lui en train de jouer de la guitare, hein, je l'ai vu, hein, je sais que c'est toi. Ah, bah voilà, c'est lui. Ouais, ouais, il touche quand même, hein. Eh, dis donc. Puis, y a pas besoin de dire quand même. Non, non, j'ai aimé, ça m'a plu. C'est des reprises? Parce que j'y connais plus rien, hein. J'écoute plus du tout de musique, j'écoute que des vieux trucs, moi. Est-ce que c'est des reprises? Parce que ça m'a bien plu, hein.
Oh mais merde! Ça c'est dégueulasse. Mais bon, vous êtes... Bah, on n'est plus à ça près. Je trouvais que j'avais trop de vie. Voilà. Je vous le dis, je trouvais que j'avais trop de vie. Alors je donnerai pas son nom. Je me souviens plus de ton prénom et de ton nom. Je t'ai cherché sur Facebook, mais je t'ai pas trouvé. Mais tu peux me rajouter, le paumé. Et puis même Nictara, si t'as un Facebook. Moi, c'est Romain R. Martin. Alors, si tu tombes sur un profil où c'est quelqu'un qui écrit des livres, tu sais, les livres, ben c'est normal. Ouais, mon Facebook n'a aucun intérêt, je suis plus sur Insta, d'accord. Oui, mais c'est toujours sympa pour se mettre... Parce que moi, je poste pas les mêmes choses sur Facebook que sur Instagram. C'est pas bon, c'est comme ça, on se perd pas de vue. Sur Insta, The Losers, Ben, Nicta. Oui, c'est sûr que c'est toi, alors. Oui, j'ai bien vu, je t'ai bien vu. T'es un petit blondinet, hein. Ça me rappelle ma Normandie natale. Notre Normandie natale, Nictara, c'est aussi normand. Alors? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait? On loot? Allez, on est des fous! Et oui, ça paye, évidemment. Bordel de merde. Nictara m'a dit que c'était trop long, là. Mais on va voir, regarde, c'est beaucoup mieux, maintenant. On préférera toujours Valérie qui dit c'est moi qui l'ai fait. Ça. Bon, mine de rien, là, on est en train de se refaire, hein. Des petites cartouches par-ci, des petites choses par-là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des explosifs encore, hein. Vous allez me dire que je suis gourmand. On en a déjà une. Et on va refaire une. Comme ça, on en a deux. Moi, j'aime bien avoir les mêmes munitions plusieurs fois. Comme ça, ça m'évite de changer d'arme. J'ai vu ça, Vermine. Eh oui, Vermine. Avec un S. Le mec chiant. Avec un S, hein. Avec un S, hein. Sinon, ça ne veut rien dire. Oui, Vermine. Et puis, La dissidence des cancres là. Mon dernier roman. C'était un fin lecteur. Hein, si tu te sens une âme avisée, si tu crois que t'as l'esprit fin, allez fonce, va me lire, quitte le stream tout de suite et va me lire. Je serais d'avis de mettre le flingue en bas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, je pense que vous êtes d'accord. Excusez-moi, hein, je prends un peu mon temps, mais c'est un jeu qui nécessite. Alors, ah ouais, qu'est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie? Ah ouais, je t'ai ajouté sur Insta, paumé. Je ferai péter les sons demain parce que je suis à 6% de batterie, t'as eu. Oh là 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 là. On va pas y arriver, on va pas y arriver, Romain, avec ces gens comme ça qui te suivent. On va pas y arriver. Mais dis donc, là, c'est pas mal, j'ai bien fait de faire le tour, hein, vous voyez? On discute et puis je me refais, là. Et en fait, je joue comme si je jouais seul, là. Ça change tout. Facebook, c'est pour les péteux. Ouais, bah d'accord. C'est pour les péteux. J'ai eu 1500 likes quand mon fils est né. Alors, moi, je suis bien. Je reçois beaucoup d'amour de Facebook. Beaucoup d'amour. Avec plaisir, après le stream, très bien. C'est démodé, Facebook. Oh, bah, c'est démodé, mais évidemment. Mais quand on écrit des livres, c'est pas du tout démodé. Les gens qui lisent des livres, ils sont sur Facebook. Vous le savez pas, vous, peut-être. Je l'utilise pour le taf et encore. Bah, voilà, mais moi, je l'utilise pour le taf. Ah, tiens, refais-toi le replay de ta tronche, Erard Martin. Rien compris, là. On se moque de mon visage? On se moque de ma partie visagale? De l'amour de péteux? On va voir. On va voir. Si j'avais su qu'un jour. Bon, vous êtes prêts? Ça va chier, là. Ça veut dire que là, on pourra plus passer. Attendez, je viens d'où, moi? Parce que moi, je suis... Ah, c'est ça, hein. Je sais plus. Bon, on va vite être au clair. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'aurais dû faire plus gaffe. J'ai pas vu que c'était deux. Mais on a des trucs explosifs. C'est bon, c'est une affaire qui roule. Autant on a été naze la première fois. Autant là, ils vont entendre parler de Romain R. Martin, bordel de merde. Là, ça va chier, là. C'est fini d'être cool.
Faut peut-être les avoir avec les pièges, j'ai pas bien compris. Ah, évidemment, j'ai pas le temps de vous lire. Allez, ça va se finir au snipe. Comme dans tous les bons films. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez. Parce qu'il y a des books dans Facebook. Ah, pas mal. Ah, le petit hargneux, je le retrouve. Ah oui, je l'avais bien lu. Ça, c'était bien ça que j'avais lu. Hein. La méchanceté. La méchanceté. Alors, combien on en a? Eh bien, évidemment, faut tout refaire. Ah, c'est, qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Non, mais c'est vraiment des enfoirés. Quel est l'intérêt pour eux de nous faire tout relooter? Si, bah, si. Nous emmerder. Que je suis bête. Non, c'est super énervant. Allez. C'est bon, ça va le faire. Oh. Extrême limite. Ah bon, j'ai pas ma voix des grands soirs, hein, vous le savez. J'ai rarement ma voix des grands soirs. Hein. D'ailleurs, ça se demandait c'est quand le grand soir. Bon, on a tout looté là. Hein. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas fait au niveau des pièges. Hein. Ah, puis là-bas, j'ai pas été voir. Regardez, il y a un soin. Je loupe tout. J'essaye d'aller trop vite parce que je suis mort. Alors qu'il faut pas. Il faut pas. Il faut pas aller trop vite. Regardez, on allait oublier tout ça. Là. C'est con qu'on puisse pas avoir une petite save quand même. Putain, un soir, tu nous as fait une petite poussée lyrique. Je me souviens plus trop. Moi, je m'en souviens drôlement bien. Hein. Et tous les gens du chat s'en souviennent. Vous avez été gâté ce jour-là. Vous avez été gâté. Vous avez été trop gâté. Comme d'habitude. Pas grave. J'en ai conscience. Vous en avez. Du moment que tout le monde en a conscience que tout le monde est bien gâté, c'est ce qui compte. Bon, on se le fait celui-là ou pas là? Il me fait peur. Hein. Sur Salantique, je crois, t'avais lâché les rênes. Oui, c'est vrai. Je confesse. Et voilà, c'est ça d'avoir dormi. On en a 10. Bon allez hop, on se fait que de l'explosif. Alors bien sûr, évidemment, The Losers, il nous dirait fais de l'électrique, fais de l'électrique, fais de l'électrique. On fait quoi? On fait de l'électrique? Et bien sûr que non, on n'écoute pas le chat, on n'écoute pas ces gens. On se fait 3 explosifs comme chez mamie. Et on peut pas les poser au sol. Hein. On peut pas du tout les poser au sol. Là, on est fin prêt. Là. Si on fait pas trop le con, on a un soin, on a tout, ça devrait le faire. Le loser, il fait déjà de l'électrique avec sa punk music. C'est pas punk. C'est pas mal. Moi, ça m'a plu. Faut déjà en tuer un. Hein. Faut pas être trop con. On aurait dû faire de l'électrique. Quoi, il est pas mort? Ça va être chaud chaud, hein. En plus, je sais plus sur lequel je tire. Bah, celui qui a du sang, normalement. Oh, mais on peut se barrer! Oh, bah d'accord. Bon, ça va. Allez. Ah, il a dit lui-même que c'est punk. Bon, bah, si c'est lui-même qui le dit. Moi, j'ai trouvé ça un peu métal quand même. Ouh là là, attendez, on se remet de la vie. C'est chaud. Hein. Ah, il a voulu courir et puis il a pas voulu après. C'est bon là. Ah, je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier là. Eh, ça t'a plu?
Évidemment, ça lui a plu. Ça a plu à tout le monde. 16 000. Oh, le pop, 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 pop. 16 000. Normalement, on aurait dû mourir ici. Hein. Une deuxième fois. Hein. Putain, 16 000. Voilà, là, quand ils donnent 16 000 à la fin, c'est pour. Ils veulent qu'on soit certain. Bon, j'ai pas besoin de revenir. Hein. On a tout fait. Ils veulent être certains qu'on puisse upgrader un minimum hein, pour la fin. Vous êtes vous le savez peut-être pas, mais ce soir, on finit le jeu. Ah, mais tain, je peux mettre ça sur mon navigateur. Eh ben oui, tu peux écouter sur le navigateur. Le son est très très bon, hein, d'ailleurs, The Losers. Hein. Je sais pas quoi tu t'enregistres, mais le son est très bon. Et alors, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de lire dans les commentaires The Losers. Est-ce que c'est une reprise hein, c'était une reprise de... Je crois que c'était The Curve. Cinématique, pardon. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Bon, très bien. Bon, alors là, une petite phase de... À la Metal Gear, hein. Pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal. Je me souviens être mort ici. Hein. Bon. On va pas se faire baiser au dernier moment. Oula, 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 la caméra nous aide pas. C'est bon, c'est bon. Voilà, on se cache. Ah voilà, c'est bon. On va se mettre là, on va le faire tout doux. Hein. On va pas faire l'idiot. Et ben voilà, je dis ça, puis je fais l'idiot. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une affaire qui roule. Ah, je vais vous lire, je vais vous lire. Là, dès que je suis là, je vous lis. Je lis vos saloperies. Sur Insta, Oui, sur YouTube, c'est des reprises. Non, sur Insta, Trivium, Gringo, Slipknot, tout ça, c'est la cam de Bosseron. Mais non, non, moi j'écoute pas du tout ça, moi. Et moi, j'ai trouvé que de ce qu'il faisait, j'ai trouvé qu'il jouait bien, j'ai trouvé que c'était le son était très bon. Et puis les chansons que j'ai entendues, ça m'a plu. Alors peut-être que j'ai changé de... Est-ce que j'ai... Ça a servi à quoi de faire ça? Peut-être que j'ai changé de style. Ah non, voilà. Non, non, j'ai besoin d'ouvrir... J'ai besoin d'ouvrir. Voilà, merci. Non, non, ça m'a plu. Bon, c'est vrai que moi, je n'aime pas du tout l'indus, normalement, j'aime pas du tout le punk, hein, faut que je le dise. Mais si une chanson est bien, bah, je sais reconnaître une chanson qui me plaît quand même. Je vais pas me mentir à moi-même. Voilà, voilà, Nick Taras, ça y est, il s'est trouvé un copain. Il fait gaffe, hein, il écrit des romans, après il frappe à ta porte. Hein. Mais, j'ai... On était un peu idiots, hein. Parce que ça, on peut tous les... Extrême limite. Alors, je lis. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, on avait pris un coup dans un bistrot normand avec Bosseron. Ah non, mais moi, j'aime pas que tu me racontes mon passé d'alcoolique. Le type a gueulé parce qu'il y avait du soulfall qui passait. Il a exigé qu'on passe son CD. C'est bien possible. Oui, mais dis que j'avais quel âge? Il me fait passer pour un rustre. Et d'ailleurs, ils l'ont passé mon CD, non? T'es toujours là, hein? Je suis une autre personne maintenant, hein? Toujours à me parler de mon quand j'avais 17 ans. Est-ce que moi je viens sur internet parler quand t'avais 17 ans? Bon, alors. On va pas être copain. On va pas être copain. Colporter des saloperies sur mon compte. Et voilà, et vous avez vu ça? On l'a fait, hein. Et là, on en a plein, hein, des trucs. On va pouvoir faire de... Bah non, on en a plein, on en a rien du tout. Et le CD est bien passé. Et bah voilà. C'est ça qu'il fallait dire. On se fait quoi? On se fait pas des électriques, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai... Voilà, parce que quand on met sur pause... Ça met pas vraiment sur pause, hein. Vous avez vu, c'est en slow motion. Eh oh!
Je ne peux pas. Je ne pouvais pas, là. Et pour réagir tout à l'heure, je suis un blondinet de Belgique et pas de Normandie. Oui, je sais, mais nous, on est de Normandie. Ça nous rappelle notre région, parce qu'il y a des blonds en Normandie. Ça nous fait plaisir, c'est ça qu'on veut dire. Ma maman, elle est blonde. Par exemple. Et voilà, fallait contourner. Et oh, dépêche-toi. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais pas vu, j'avais pas fait attention. La Belgique fut normande très probablement. Mais bien sûr. Oh là là, Guillaume le Conquérant, il était partout. Il était partout. Bon, eh ben on est revenu là, hein. Est-ce qu'on va avoir droit à encore une petite cinématique? Est-ce qu'on va être gratifié parce qu'on a bien joué? J'en doute. Le jeu devient de plus en plus cruel. Le Guillaume, tu le retrouves dans l'Italie jusqu'à la Grande-Bretagne. Eh bien sûr, évidemment. Guillaume. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais vous embêter, mais on est obligé de retourner un tout petit peu à la maison. On a trop de mucus, on a trop de fluide corporel. Et puis moi, j'ai envie de débloquer un petit trophée qui me dit « Romain, tu as bien joué, tu as réussi à optimiser deux armes complètement. » J'en ai besoin, moi, de ce trophée. Et on peut pas. Normalement, là, il y a la petite musique. Ils ont tout bétonné. Ah non, c'est peut-être là. Vous avez tout bétonné, les là. Il n'y a plus rien. On peut pas. Ah non, on peut juste sauvegarder. Il n'y a plus possibilité. Mais alors, ça servait à quoi de me donner du fluide? Il ferait mieux de se connecter, Eve. Hein. Ça ferait monter ma moyenne de viewers. Je sais qu'elle le fait exprès. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte de prendre son portable, de se connecter, même de ne pas le regarder, de le mettre dans un coin, d'allumer sa tablette, d'allumer la TV, et voilà, ça me fait 3 viewers en plus. Voilà. Pas aider. Personne veut m'aider. Ah, tu peux quelque part? C'est trop tard. Ah, mais j'aurais eu la poisse pendant tout le long. Pendant tout le long. Mais il y avait... Vraiment, j'ai bien regardé, hein. T'es sûr, The Losers, qu'on pouvait retourner à la maison avec le mucus? On avait les poches pleines de mucus. On aurait pu upgrader en tout, là. Vivant, plus jamais je monte dans un ascenseur. Pour sûr, t'as une Mathilde qui traîne en Transylvanie. Mais c'est certain... Ah, la pièce d'en face. Non, non, la porte ne s'ouvrait pas. Non, non, non. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une petite aparté en disant que ils avaient modélisé la porte et on ne pouvait pas l'ouvrir. Est-ce qu'on a un soin? Pas du tout, évidemment. Il me reste 6 balles de snipe, 8 balles de flingue, shotgun 0, et là, 0. Eh ben, on est bien. Oui, bah, je reste pas sur une arme où il n'y a rien, ça serait mieux. Bon, voilà le cœur de l'affaire, hein. C'est à cause de ce truc... qu'il y a la folie, qu'il y a la démence un peu partout. Regardez s'il y a le docteur. Docteur Merguez. Docteur Merguez. Mais c'est moi. Et voilà. Ça, c'est la révélation pour Nyctaras qui a jamais fait de jeu. Au secours! Au secours! Sébastien, éloignez-vous de lui. Je m'éloigne de qui je veux, Kidman. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Mais non, c'est un albinos. Bah bravo. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... Elle essaye de nous amadouer. Tombez pas dans son piège. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire... L'albigeois. Pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik.
C'est lui qui a. Bon, on profite de la cinématique, excusez-moi. Bienvenue, Nick Taras. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Là, t'es un champion. Leslie, non! Il l'a transformé en flotte. C'est une sorte de Jésus-Christ antéchrist. Il nous a transformé l'albinos en flotte. Alors, oui. Oui, on a eu quelques griefs envers l'albinos, mais de là à le transformer en flotte. Peut-être pas. Allez, je remets la cam, là je sens qu'il faut que j'ai la manette bien en main. Là je la tiens fermement, hein. Vous pouvez être sûr. Ah bah là on est au bout du bout du Maelstrom. Ça sent le boss de fin. Et c'est l'albinos. Il nous en veut. C'est un mélange d'albinos et d'Anders Breivik en fait. J'ai pas très bien compris. Ah bah d'accord. Je devrais pas parler pendant les cinématiques, mais je sais jamais quand ça se termine. Et bah voilà, je me suis fait avoir. Et ben voilà, bravo. C'est gratuit, c'est cadeau. Une bonne douche en rentrant. Les phrases sorties dans le contexte. Mais je vois pas. En quoi c'est vilain. En quoi c'est vilain l'albino se transforme en flotte. Attendez, je focus un petit peu, là. C'est pas compliqué à passer, ça, si on regarde pas le chat. Et voilà. Ah, vous êtes gâtés, là, il y a de l'action, hein. Comme les AM. Elle regarde en douce, j'en suis sûr. Elle regarde les VOD. Elle se les repasse en mode slow. Balance lui un dossier dans la gueule. Je vais y penser pour ma troisième run. Bon, alors là, ça va être la séquence mitraillette. Accrochez-vous à votre slip. Mettez un glaçon sur vos couilles. Je sais pas vraiment sur quoi tirer. Mais je suis un pro gamer, hein, pour certaines séquences. Hein. Ça vaut, faut que les gens le sachent.
là normalement. Ouloufoufou. Ouais, ouais, je tire sur le crâne. T'inquiète pas, mon petit pote. Ah bah voilà le fameux bazooka qu'on récupère à la fin du jeu. On sait déjà s'en servir. Je crois qu'il faut attendre un peu, hein, qu'il s'ouvre. Je sais plus. C'est mauvais. Ouais, trop tard. Faut le faire. En fait, faut bourriner un tout petit peu plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je me souvenais plus. Alors j'espère qu'il nous passe la séquence où on fait la mitrailleuse, même si elle est relativement simple. Je fais pas le con, puis je fais n'importe quoi. Mais je comprends pas. De temps en temps, il y a un truc rouge. Alors ça, le truc rouge, j'imagine que c'est son casque à casser et quoi. Faut continuer à bourriner la tête, c'est ça. Le bazooka bout touchant. Nous, on dit à bout portant. C'est à peu près la même chose. Bah tu vois, on a vexé The Loser's Band. Il est parti. C'est bon. Oh mon Dieu. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Contrôle, il y a encore quelque chose? On peut le temps de fumer là. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ah, j'ai loupé! Il y a une balle! Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ça va aller, ça va le faire.
Alors j'espère qu'il nous remet... Ah, il y a eu un point de contrôle. Non, c'est bon. Il y a un point de contrôle, normalement. On a que la dernière balle. Mais vous voyez, ça fait sortir du jeu, ça. C'est un petit peu... Il ferait mieux de mettre une cinématique. Et puis voilà. Parce que du coup, ça fait sortir du jeu juste pour, dire un... pour tirer un coup. Eh, Nictara, s'il te plaît, pas de blague là-dessus. Je te connais. Et voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est moi qui l'ai fait. Ah, pardon. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Ah si, on peut jouer, on peut jouer. Allez, allez, je vais aller détruire sa machine diabolique. Tout ça n'est que diablerie. Par le Saint-Christ, je suis un soldat de Dieu, moine soldat. Je vais te déchirer la panse et t'arracher la rétine. Et voilà. On va l'écraser, hein, ce saloperie. Regardez celui-là. Laissez-le. Ceux-là aussi. Ils n'iront nulle part. Nous non plus. Alors lui prend son bain tout habillé. Ah bah bravo. Lui il a pris le bain trop longtemps. Professeur Mergazo aussi. J'ai envie de profiter avec vous de la cinématique finale. J'ai pas envie de me cacher, c'est terminé ce temps-là. Si je vois qu'il y a trop d'émotions, je saurai me retirer. On était dans le STEM. C'est pour ça qu'on était dans cette espèce de maelstrom de folie. Withers Leslie, voilà. On était dans sa petite tête. Non, on était dans la tête de Breivik. Et aide-moi, The Loser's Band, si tu es encore là. On était dans la tête de Breivik ou non? Ou celle de l'Albinos? Inspecteur, vous allez bien? Il y a des survivants? Tenez-moi. Seulement un petit peu d'air frais. Merci, The Losers. Donc on était connecté au cerveau psychopathe de Breivik. C'est bien ce que je pensais parce que il y avait trop de flashbacks concernant Breivik, donc on n'était pas dans... On ne pouvait pas être dans le... celui de l'Albinos. Tout fait sens.
Bon là, ça, c'est la fin comme une bonne série B, là. Hein. On sort, il y a les sirènes. Ah, l'albinos. Leslie, on se prend pas une petite pinte, tous les deux? Il a l'air d'être beaucoup moins fou maintenant, hein? Il sait où il va. Il a disparu. Il s'est envolé. Leslie partir. J'adore quand je comprends pas, c'est en le lisant que je comprends. Allez, petite musique, s'il vous plaît, petit arpège. On est tous les trois férus de musique, nous sommes mélomanes. Maintenant nous le savons pour The Losers, je le savais déjà pour Nick Taras. Et moi en tant que ancien musicien, semi-professionnel, semi, hein. Il y a un gros semi. La guitare acoustique, évidemment, ça nous touche toujours. Voilà, la fin de ce jeu que je ne peux m'empêcher de vous montrer, hein, parce que je suis quelqu'un de très matérialiste. Hein. La fin, j'aime bien montrer les choses. La fin de The Evil Within, premier du nom, qui se termine un petit peu trop action, mais bon, c'est quand même une bonne expérience de gameplay, un très très bon jeu. On a fait 51 minutes. Alors, moi j'étais ravi de le refaire en New Game Plus. Même si certains passages vers la fin m'ont posé quand même quelques soucis parce que le stress du live m'a fait tirer un peu n'importe comment et j'ai pas assez économisé de mes balles. Voilà. Donc on était à des moments un petit peu tout nus. Dites-moi si la musique est trop forte. Je peux la baisser, hein. Mais normalement mon micro couvre la musique. En gros, le stem c'est la matrice et Breivik c'est Smith. C'est-à-dire, ça j'ai pas compris. Smith, c'est-à-dire, j'ai pas compris The Losers Band. Après j'ai une petite. Après ce qu'on pourrait faire. Déception pour moi, je pensais que c'était un trip horror psycho gore porn. Oui, bon, voilà. Gore porn. Non, 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 c'est pas, tu peux pas dire que c'est décevant. Bon, c'est un jeu qui est sorti en 2014, hein. Faut aussi replacer dans son contexte. Hein? C'est un jeu qui est sorti en 2014, et pour 2014, on n'avait pas, nous, fans, enfin moi en tout cas, fans de Survival Horror, j'étais ravi de ce jeu. Après Resident Evil 4, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la main, hein. Et c'est vrai que celui-ci est quand même très bon. Moi j'ai eu grand plaisir à le refaire, voilà. Même si sur la fin, voilà, comme je vous ai dit, bon, avec le live, j'ai mal joué. Le disons clairement, mais bon. Pour un streamer, c'est bien d'être confronté à ça, à ce stress-là, parce qu'après, bon, ça ira de mieux en mieux. Après, on prend sur soi, puis on oublie qu'on est regardé, voilà. Non, mais tu vois, je pensais que ça rentrait dans le cadre saut, hostel. Ah non, non, pas du tout. Avec des énigmes dans une ambiance rouillée, crade. Non, non, c'est pas du tout la direction. Voilà, la direction artistique est ouf. Les monstres sont vachement créatifs et bien foutus. Enfin, Smith, oui et non, Smith n'est pas le cerveau de la matrice. Mais c'est qui Smith, en fait? C'est ça que j'ai pas compris. J'ai pas suivi. Mais allez, bazooka, c'est pour les petits. Ouais, j'ai essayé de l'utiliser le moins possible, le bazooka. Moi, ce que je peux vous proposer, là, comme on a streamé qu'une heure. Ah, d'accord, Paumé fait référence à Matrix. Ok, oui, oui, Smith de Matrix. Autant pour moi. Et ben voilà, là, c'est un bon exemple. Si on était dans une conversation à trois à la hauteur d'une table, il m'aurait dit Smith, tout de suite je me connecte et ça fait sens et je comprends qu'il parle de Matrix. Mais vu qu'on est en live et qu'il y a un peu le stress, et ben du coup je lis, je prends tout au premier degré, quoi. Et du coup je comprends pas. Oui, l'agent Smith, voilà. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que si vous êtes d'attaque ou si vous avez d'autres choses à faire, vous me le dites. Sinon on peut commencer la première partie dans 10 minutes, le temps que je mette le jeu, et que voilà, dans 10 minutes, la première partie de Nier Replicant que j'ai reçu avant-hier. Vous me le dites, tous les deux, si vous êtes d'attaque, sinon bah, on s'arrête là et on fera ça demain. Hein. Stress de quoi, papa? T'es avec les copains? Mais non, mais je suis quelqu'un de naturellement stressé.
Et j'ai envie de faire les choses bien. Donc forcément, bah, ça nous fait faire des erreurs. Je suis un garçon qui a toujours un peu envie d'aller trop vite. Et du coup, je suis tête en l'air. C'est pour ça que des fois, je me plante. Enfin bon, voilà. Mais je pense que ça partira jamais. On peut un petit peu peaufiner, s'améliorer. Mais bon, on peut pas non plus changer son caractère. Bah moi, je suis hop, mais pas trop tard. La première partie 2, j'ai pas entendu. Bah je te le montre. Je vous le montre. Hop. La première partie du remake, remaster, Nier Replicant, j'ai beaucoup aimé Nier Automata. J'ai commencé un vieux polar et j'aimerais bien en profiter un peu. Il est très très bien noté, moi je suis un grand fan de Nier Automata. Hein. Alors c'est complètement autre chose là. On peut faire la découverte et puis si ça passe mal en stream, moi je le ferai de mon côté de toute façon. Alors si vous êtes tenté, je reviens d'ici 5-10 minutes. Le temps que je mette le jeu, parce qu'il va y avoir certainement une petite mise à jour, vous voyez, il faut que je change de disque, voilà. Donc si vous êtes ok, moi je coupe là maintenant. Allez, tu votes pour la découverte, bon, nique ta race, et puis après, bah c'est toi, hein. Dis-moi The Loser's Band, si ça te tente. C'est un très bon jeu, hein. Là, les notes sont très très bonnes, après faut aimer le style de japonais, quoi. Mais l'histoire est très très bonne, je sais que l'histoire est très très bonne, j'avais déjà vu, parce que là comme c'est un remake, remaster, j'y ai jamais joué, mais j'avais déjà vu des let's play sur l'original qui est sorti sur PlayStation 3, qui s'appelle Nier, j'avais beaucoup aimé l'histoire, ça fait un petit peu pleurer. Ah oui d'accord, pourquoi pas, je connais pas du tout, il y a juste eu des persos de ce jeu qui sont apparus dans Final Fantasy, bref, voilà, exactement. Donc bon, je coupe le stream, je réarrange un petit peu ça et j'arrive. J'arrive d'ici, allez, 5-10 minutes, ok? Et ça se trouve moins parce que je suis quand même quelqu'un d'assez efficace et vous le savez. Allez, à tout de suite.